Enfin, la prise de conscience s'est faite avec l'arrivée de l'enfant, ouais. Tout a changé, en fait. Dans notre façon de voir les choses. Avec Laurence, on s'est dit, mais finalement, notre modèle de consommation va pas, quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de découvrir l'agriculture par l'agriculture bio, quoi. Donc ça, c'était intéressant, parce que j'ai pas eu d'approche de l'agriculture conventionnelle. Dans la permaculture, il y a une grosse partie d'observation, quoi. Le fait de pailler, justement, comme il disait tout à l'heure, c'est le fait d'avoir observé un écosystème naturel qu'est la forêt, quoi. Chaque citoyen a un pouvoir de vote, un pouvoir de faire changer les choses. Chaque citoyen peut être un désobéissant, hein. Chaque citoyen a le pouvoir entre les mains. Ceux qui n'ont pas découvert la ferme, qui ont la chance de venir à la ferme, la chance d'être en contact avec la terre. Quand les vaches sont dans l'hiver, les gamins ils donnent à manger le foin aux vaches. C'est un truc qui est humain et qui me fait plaisir. I like to go back to the store to pick up memories. That will last forever. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'autres moyens, parce que l'automne, ça représente la paix en terre, parce que la terre va s'endormir, les plantes s'endorment, la sève elle redescend. C'est la semence qui va donc germer avant l'hiver, qui va commencer à pousser et s'endormir pour l'hiver, pour repousser au printemps. Alors ça représente la paix en terre et la paix sur terre.